Bonjour à tous, voilà, nous sommes le 27 août et c'est le début de l'été en Bretagne. Donc, on va dire, c'est pas trop tôt, j'espère que ça va continuer pour booster un petit peu les cultures. Donc, restez bien à la fin, nous allons voir la récolte de tomates et récupération de graines de persil. Voilà, hop, ici. Pour vous montrer le maïs. Ah oui. Ah oui. Tac. C'était le liseron, il y en a. Cornichon, mais bon, avec un plant ou deux, je peux rien faire, donc tant pis. Donc là, après, il y a des... On va voir le de l'autre côté, vous voyez, tac, ici les courges sortent. Ce que c'est, je sais pas. Maïs encore. Là c'est pareil. Ici, butternut qui pousse. Donc comme je vous ai dit, le 27. Hein. Puis là, maïs, c'est pareil. Donc là, ça, c'est les graines de petits pois, donc c'est sec. Donc j'en garderai peut-être pour les semences, je vais voir. Ici, toujours maïs. Et potimarron ici. Vous voyez, j'en ai un autre de l'autre côté. J'en ai un autre au fond encore. Et ici ça grimpe. Maïs encore ici. Donc après c'est la jungle. Vous voyez? Donc là on en a un. Et après ça pousse de partout, maïs, il y en a encore un autre au fond là-bas. Donc voilà, ici c'est pareil, potimarron, il y a beaucoup de capucines, vous voyez. Un autre ici. Maïs, celui-là, oui. Ici, ils sont un peu moins beaux. Donc après, il y aura beaucoup de surprises en regardant. Vous voyez, là, ça grimpe. Bon, l'artichaut, je l'ai planté juste cette année, donc il faut lui laisser du temps. Maïs encore. Tournesol, vous voyez. Pourtant, je les ai plantés assez tôt. Assez tard dans, je veux dire, mais comme il n'y avait pas de soleil. Vous voyez, ceux-là ils sont petits. J'en ai un autre là. Maïs. Hop. Vous voyez, un autre ici. Haricot vert que j'avais mis là. Artichaut, comme vous aviez vu dans la vidéo, il restait plus rien, recouvert d'une cloche, un peu d'engrais et c'était reparti. Alors ici que je surveille, ça n'a pas été fou hein, les courgettes. Mais j'en ai un autre ici aussi. Voilà. Donc ici j'avais eu un plant de courgette, lui il s'est fait manger. Courgette on ne l'a pas récupéré beaucoup, mais bon, vous voyez ici c'est...
Donc là, vous voyez, il y a des courses qui partent de partout. C'est en fouillant qu'on trouve. De toute façon, les courges, on les laisse, elles font leur vie. Et on les récolte en fin de saison. Ici aussi. Voilà, un autre petit marron qui arrive ici, vous voyez. J'en ai un autre en bas. Butternut ici. Potimarron ici. Et butternut, vous voyez en dessous encore. Donc, voilà. Voilà un petit peu. Donc, comme je vous ai dit, restez bien jusqu'à la fin. J'ai récupéré des graines de persil. Ah, je vous ai pas montré celui-là. Le tournesol. Donc, avec le temps qu'ils annoncent, j'espère que tout ça, ça va bien se développer, mûrir et sauver la saison. Comme vous aviez, j'avais été embêté avec le terreau à semis. Donc, je referai une vidéo là-dessus, que faire un bilan et de voir ce que je modifie. Ah bah, attendez, dans la petite serre à semis, je vais vous montrer des salades qui sont en attente. Voilà. Tout ça, ça va être piqué. Ça, c'est de lavande. Et lavande ici aussi. Vous voyez, celle-ci aussi. Elle est arrivée, voilà. Hop. Des fleurs de poireaux. Donc, je vais voir, peut-être pour en récupérer. Des figues. Il en est plein. Donc, lui, il fait deux fois dans l'année. Vous voyez là. Là, cette année, franchement, on en mange hein, des figues. Et j'en récupère. Elles sont belles, des belles grosses figues et bonnes. Donc, c'est parti pour les figues. Le pêcher, j'espère qu'un jour ça va arriver. Là, c'est pareil, vous voyez, ça crame. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est de la poirée. Tomate ananas, oui. Ouais, tomates, je les ai récupérées. Et tomates cerises, ça fait un petit moment. Alors, on va dire un mois. À peine un mois que j'en récolte. Oui. Hop. Butternut. Tomates cerises, bon, ça fait un petit moment, mais voilà. Vous voyez, bon, elles sèchent, elles pourrissent. C'est pas. Tomate grappe. Je vous avais montré une fleur de tomate qui était bizarre. Et ben, vous verrez la tomate comment elle est. Donc là, hop, c'est bon. Aubergine, vous voyez, il n'a pas poussé beaucoup, mais comme avec les soucis que j'avais eu, bon, ça monte, c'est pas grave. Ça, je vais les enlever. Poivron. C'est le seul. Ah non, oh là là, deux et trois. Alors poivron, c'est mes plants. Il y avait, j'ai acheté juste courgette et melon. Mais melon, c'était une cata. Voilà, donc ça c'est les, ça c'est les, le persil, vous voyez. Donc, que j'ai récupéré les graines. Ça, c'est la tétragone. C'est la première fois que j'en fais. Donc, je vois des petites fleurs au bout, on verra. Bon, ça doit être un potimarron, mais bon, il se développe, mais bon. Les salades sont montées, donc on en a mangé, mais voilà. Et un nut, ici. Butternut, tout au bout. Voilà pour ce qui est. Donc on fera un bilan un peu plus tard. Donc on va attendre un petit peu. Voir un petit peu les résultats. Surtout le fouillis qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir récolter? Voilà.
Je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis bye, à bientôt. Et n'oubliez pas, à la fin, vous avez récolte de tomates et de graines de persil.